Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est avec Christian Dandrès, qui est donc juriste à l'ASLOC à Genève et puis aussi membre du comité de l'ASLOC à Suisse et aussi conseiller national. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est l'ASLOCA et le but de ce syndicat? L'ASLOCA, c'est la principale association de défense des locataires en Suisse. Elle regroupe plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle est présente dans la plupart des cantons. Et à la fois, elle assure une défense des intérêts politiques des locataires, mais également des intérêts juridiques, avec des permanences qui sont ouvertes aux membres ou aux non-membres pour pouvoir conseiller les gens et au besoin les défendre devant les juridictions lorsque c'est nécessaire. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le but de ces vidéos et de notre discussion? Oui, le but c'était de fournir quelques informations de base à des étudiantes et des étudiants qui viendraient s'installer en Suisse ou qui y seraient déjà et qui cherchent à louer un appartement pour poser quelques déclics, quelques listes à avoir en tête, des risques en fait du droit du bail, mais aussi des droits dont disposent les personnes et comment les faire valoir. Alors ce n'est pas des vidéos exhaustives, il y a encore évidemment du travail à faire, de lecture ou des conseils à obtenir auprès de permanences juridiques, notamment celle de la SLOCA, mais c'est de poser en fait quelques jalons pour que des gens puissent avoir des déclics et ne se fassent pas rouler par des bailleurs lorsqu'ils signent des contrats ou lorsqu'ils quittent l'appartement, ce qui peut arriver fréquemment. Très bien.